quartier des Sept-Mares à Élancourt. Il s'agit du premier quartier à avoir été construit lors de l'aventure Ville Nouvelle 50 ans en Yvelines. Il a été inauguré en 1975. En octobre 1975, c'est par la fête qu'était inauguré le centre des Sept-Mares. Le principe de base de la Ville Nouvelle, c'était de créer des bourgades faisant 30 000 à 50 000 habitants. Ces bourgades devaient être centrées autour d'un centre commercial, être autonomes, mais également reliées entre elles par des passerelles, des tunnels ou d'autres voies de communication et séparées par des espaces verts ou des espaces de loisirs. Le quartier des Sept-Mares était conçu à la base comme étant le centre de l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Les choses vont évoluer par la suite et on va ensuite délocaliser ce centre plus autour de la gare de Montigny-le-Bretonneux. On continue l'évolution de ce quartier, on le confie à un couple, Philippe et Martine Deslandes, architectes et urbanistes, qui vont appliquer ici le principe de la séparation des flux. En effet, on voit une différence de niveau dans ce quartier puisque nous sommes sur une dalle. On a construit le quartier sur une dalle qui fait à peu près 20 000 m². L'idée est de séparer la circulation des véhicules à moteur en périphérie du quartier et les laisser se garer en extérieur ou sous la dalle. Le cœur du quartier, lui, est consacré aux piétons, cyclistes et toute circulation douce. Nous sommes à présent en plein cœur du quartier des Sept-Mares. Il a été réalisé par le couple Philippe et Martine Deslandes, architectes et urbanistes. On avait été faire une visite, c'est vrai, du terrain avec mon mari, et il y avait effectivement Sept-Mares. Mais alors, cette minuscule petite mare et un vent a décorné les baies. Pourquoi est-ce qu'on a dessiné une grenouille? À cause des sept mares, bien sûr. On cherchait un sigle et comme c'était les sept mares, on a dessiné une grenouille. Absolument. C'est resté l'emblème du quartier. Ils ont ici appliqué un principe cher à Le Corbusier, c'est-à-dire le zoning. En effet, il s'agit de séparer la fonction des bâtiments. Nous avons d'un côté l'habitat, de notre côté les équipements et puis les activités sur une autre zone. Le principe du zoning n'a pas été appliqué à 100% non plus puisque Philippe et Martine Deslandes ont aussi introduit un principe beaucoup plus ancien, c'est la rue médiévale. En effet, derrière moi, vous avez l'entrée de la rue du Chemin aux Bœufs qui présente des commerces en rez-de-chaussée et les habitations au-dessus. Cela fait penser un peu aux rues du Moyen-Âge avec les magasins un peu en retrait et les maisons en encorbellement, comme on retrouve ici avec les immeubles vagues qui sont un petit peu en saillie. C'était assez haut et on trouvait que c'était amusant pour les petits-enfants quand ils se promenaient. Je vois, je vois pas, je vois, je vois pas. Et puis, ça, c'est le miracle du béton aussi. Il ne faut pas oublier le miracle du béton. On pouvait faire autre chose que quelque chose de droit et on pouvait tout d'un coup... C'est après mai 68, on s'est un peu éclaté dans les couleurs, on s'est éclaté dans les formes, puis après on est devenu plus sage. Nous avons aussi une fonction beaucoup plus marquée des zones d'équipement par le choix des matériaux. En effet, nous avons ici, par exemple avec le prisme ou le cinéma, l'utilisation de la brique qui apporte aussi un aspect beaucoup plus chaleureux au quartier. Donc les équipements culturels vont être plutôt construits en brique et les autres zones, c'est-à-dire l'habitation et l'administratif, plutôt en béton. À présent, nous nous trouvons devant l'homme couché. Il s'agit d'une sculpture réalisée par Klaus Schulze en 1976. Klaus Schulze ne nous est pas inconnu à 50 ans en Yvelines puisqu'il a réalisé aussi la table des géants à Guyancourt devant le lycée Hôtelier. Il s'agit d'une sculpture faite en briques de Vaugirard, non gélive, qui résiste aux intempéries. Elle représente un homme allongé sur l'herbe, surmonté d'une main géante qui semble le réveiller ou en tout cas attirer son attention. D'ailleurs, le titre est « Main divine ». On peut en effet y voir l'intervention de la main de Dieu pour réveiller ce personnage.